Salut à toutes et à tous, c'est 125 ou pas. Alors aujourd'hui, on va faire une petite analyse du film Avengers 3. Pour commencer, ce film, c'est le film le plus attendu depuis 10 ans, depuis du premier Avengers. Après, c'est un film qui a coûté très cher, mais qu'elle fait le plus gros démarrage de tous les temps. Soit, disons que pourquoi il a coûté aussi cher, pourquoi il a aussi bien marché. Attention, je vous préviens tout de suite, il y a des spoilers. Pourquoi il a marché? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a énormément d'acteurs. Tous les acteurs, enfin tous les acteurs de Marvel dedans. Non, oui. Tous les acteurs Marvel. Enfin, c'est en deux parties, comme vous pouvez voir. Après, la deuxième raison, c'est le nombre d'effets spéciaux aussi. Je pense que c'est le film qui va être le plus, qui aura le plus de tickets enregistrés au monde. Je pense que ça sera sûr, parce que, il était tellement attendu. Moi, personnellement, je suis allé voir ce week-end. Il était juste extra. Attention, je passe au spoiler. Alors, qui c'est qui meurt? Qui c'est qui survit? Déjà, si vous regardez sur l'image, la boîte d'annonce sont en gros plan. Bon, évidemment, lui, il survit à la fin. Par contre, ce qui survit pas, c'est Vision. Thanos, il est arrivé, il lui a arraché la pierre de la tête, malheureusement. Après, il y a la fille au pouvoir rouge, je me souviens plus de son nom. Désolé si je l'oublie des noms. Après, je vous expliquerai la mort des autres. Après, il y a Black Panther, non Gamora, elle la bleue, elle survit. Black Panther meurt. Alors vous demandez pourquoi vous dites pas que je le dis tout de suite le truc, pourquoi il est pas mort, comment il est mort, c'est normal, je vous expliquerai après. Captain America est vivant, Iron Man est vivant, Thor est vivant. Agent, je sais plus, patte de velours, ouais, ça doit être ça. Elle est vivante. Par contre, Quill est mort. Iron Machine est mort. Y a qui d'autre aussi qui meurt? Attendez, ça va. Ah oui, dans l'équipe de Captain Galaxy, il y a Quill, la fille à la peau verte, Groot et Drax qui sont morts. Il reste plus que le raton laveur, comme on pourrait dire. Il y a qui d'autre qui meurt aussi? Il y a Spider-Man. Spider-Man meurt, et oui. Je pensais pas qu'il mourrait. Il y a Loki aussi, qui se fait tuer par Thanos au début. Après, nous avons qui d'autre? Le gardien de Asgard, qui se fait tuer, enfin qui s'est sacrifié plutôt pour sauver Hulk. Parce que comment ça a commencé le film? Le vaisseau que vous voyez à la fin de Thor Ragnarok, c'est le vaisseau de Thanos. Et dès le début, ça commence trash. Et ouais, le gardien, enfin, je sais plus comment il s'appelle, s'est sacrifié pour sauver Hulk. Par contre, Loki, il a essayé de tuer Thanos et il s'est fait étrangler, malheureusement. Après,
Il y a la fille à la peau verte. Dites-moi en commentaire comment c'est pas, je m'en rappelle plus. Thanos l'a sacrifié par une pierre du pouvoir. Si je me trompe pas, c'est celle de l'âme. Après, celle de l'âme, c'est celle qui est en jaune. Pour que je précise. Et qui d'autre? Après, si vous voulez, Thanos a réussi à avoir les 6 pierres infinités. Et le pire, il a réussi à détruire la moitié de l'univers dans la première partie. Vous dites, vous allez dire, ouais, c'est pas possible, sinon ils seraient tous morts. Ben justement, il a réussi. C'est pour ça que tout ce que je vous ai dit, que tu dis pas la mort tout de suite, c'est à cause de ça. Le fait qu'il a détruit la moitié de l'univers, ça a tué, ça a désintégré tous les autres. Du coup, il y en a un paquet qui sont morts. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui meurt. Alors j'espère que dans la deuxième partie, tous ceux qui restent en vie pourront peut-être faire quelque chose avec les gants. Bon, tu vois, mon avis, Thanos, ils vont me défoncer. J'espère qu'ils pourront faire quelque chose avec la pierre du temps. Ça serait bien. Et autrement, il reste vraiment pas grand monde. Ah oui, Nick Fury meurt aussi. Comme la moitié de la galaxie. C'est pour ça. Et oui, il n'y avait pas Ant-Man. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourtant, c'est bien Marvel. Mais après, il y a la deuxième partie. Il n'y avait pas tous les super-héros. Alors, ouais, c'est peut-être normal que. Voilà. Après, il y en a eu 25. Je crois qu'il y en a une dizaine qui sont morts. Mais maman, il a 78. À 75, plus les méchants, ça fait 78. Ça fait encore 50 personnages. Ça fait encore 50 super-héros. Putain, c'est comment ça fait en tout. Voilà. Alors, ouais. Les gros spoilers, t'es dit, les plus gros. Et des petites phrases aussi dans le. Dans le long du film, que c'était trop marrant. Après, Thanos, c'est des généraux très puissants, mais ils ont réussi à tous les tuer. Et Thanos, comment il a réussi? Il sait, par contre, à la fin, il est arrivé, il a pris la pierre de vision, il a arraché de la tête. Par contre, vision, à mon avis, je pense pas qu'ils vont le soigner. Il y a Thor qui est arrivé avec son super pouvoir, avec une hache, au même pouvoir que le marteau qu'il avait. Il a tranché le torse de Thanos. Et Thanos, avec la pierre du temps, il a réussi à revenir en arrière. Pour vie. Non, non, je dis quand même. Oui, ça c'était pour la pierre d'infinité. Il a tranché son torse, et avec le gant, il a détruit la moitié de l'univers et il s'est barré. Exactement, il s'est barré. Et oui, par contre, petite chose à savoir, Hulk, il avait affronté au début, sachez que Thanos est beaucoup plus gros, plus imposant que je pensais. Il est aussi gros qu'Hulk. C'est pour ça que Hulk, on le voit pas trop dans la bande-annonce parce qu'il n'est pas dans le film. C'est battu au début, mais Hulk, il avait peur de Thanos. Et oui. Qui est très rare. Pour ça. Après, je pense qu'il y en a un paquet d'autres qui ont mouru la deuxième partie. Mais ils ont bien failli enlever le gant un moment. Mais bon, c'était 6, ils n'ont pas réussi encore. Mais voilà comment les plus gros spoilers du film.